Hier soir, ma chérie me demande, on regarde quoi ce soir? Je dis, bah, je sais pas, tiens, le film de requin, là, The Shallow. J'ai eu des critiques qui disaient que c'était bien. Elle me demande si ça dure longtemps, j'ai 1h25. Elle me dit, bah, tant mieux, ça change. Elle répond que, je dirais même plus, c'est un gage de qualité, quoi. 1h25 de pub Apple plus tard. 1h25 de ralenti avec rien d'autre que des vagues en images de synthèse à filmer. 1h25 de scénario qui ressasse en continu la motivation de son personnage principal au cas où t'aurais pas écouté le premier dialogue. 1h25 de running gag où, de toute façon, le requin il surgit toujours pour mettre à mal le plan de l'héroïne. 1h25 de pose lascive et d'acting déplorable. 1h25 pour se rendre compte que c'est la montre qui lui sauve la vie parce qu'elle peut pas compter jusqu'à 30 elle-même. Bref, 1h25 plus tard, t'es heureux d'apprendre que la pauvre mouette qui l'a accompagnée tout du long a survécu. À ce niveau de pitoyable, on bat le chien de Man of Steel et du Pic de Dante. Et au fait, c'est qui les réalisateurs? James Cole Serra, celui qui a fait Esther. Mon dieu, si j'avais su. Comme quoi, faut toujours se renseigner avant. Ça s'appelle un acte manqué.